J'ai ouvert un haul. J'ai fait le shopping avec Elia mercredi et j'ai acheté beaucoup de trucs. Du coup, je vais vous montrer. On va commencer par Adopt. J'ai jamais acheté de parfum chez Adopt, mais franchement, ça sent super bon. J'adore. Du coup, ils ont fait genre des nouveautés. C'est des petits parfums comme ça. Et c'est super pratique pour les voyages, etc. Du coup, j'en ai pris trois comme ça. Donc, lui, c'est le rouge lipstick. Celui-là, c'est celui-là au monoeil. Il est trop, trop bien. Et lui, vraiment, je l'adore. C'est le Lady Glitter. Et regardez, genre, il y a des paillettes dorées. Je sais même pas si on le voit, mais c'est trop, trop beau. Donc voilà, en plus, ils sont super bons et j'adore les packaging. Après, on est allé à Sephora et au Casino. Donc, il y a des petits trucs que j'ai achetés là-bas. Donc, au Casino, j'ai pris des cotons démaquillants pour mes ongles et pour me démaquiller. J'ai aussi pris des cotons-tiges pour enlever le vernis qui dépasse. C'est super pratique avec les cotons-tiges. Donc, bien sûr, après, j'ai pris du dissolvant. Donc là, après, il n'y a que du maquillage que j'ai acheté au Casino. Donc, j'ai pris ça de chez Maybelline. C'est trop bien. En fait, ça fait un effet bronzé, comme les Good Drunk Elephant. Bon, j'ai déjà testé, mais il est trop, trop bien. Franchement, je sais pas si on voit, mais il y a des petites paillettes et ça marche super bien. Après, de chez Maybelline, j'ai pris leur anti-cerne. J'ai commencé à utiliser quand j'ai commencé à faire les Get Ready With Me et franchement, il est trop, trop bien. Je l'adore. Et du coup, j'ai pris en teinte 06. J'espère que c'est ma teinte. Après, genre, il y avait des réductions au Casino. Genre, tout est à 4€. Et du coup, j'ai pris ce mascara qui était à 4€. Je l'ai déjà ouvert, mais je l'ai pas testé. Et voilà la brosse. Franchement, elle a l'air juste incroyable. J'ai trop hâte de tester. Et du coup, c'est le classique volume express et c'est le waterproof. Après, on est allé à BM, on a acheté des bubble tea, des bonbons. Et du coup, j'ai vu ça, un vernis rouge comme ça. J'aime trop, il est trop trop beau. J'ai hâte de le tester. Et genre, c'est un matte, c'est le numéro 1. Bon, on passe enfin à Sephora. Et du coup, j'ai acheté la crème Drunk Elephant Orange. Je voulais trop la tester et j'ai hâte de la tester avec vous. Donc, c'est la crème réparatrice. On va voir à quoi elle ressemble. Donc, du coup, elle est comme ça. Elle est trop trop belle. Après, chez Sephora encore, j'ai pris un vernis rouge. En fait, j'avais même pas vu qu'il y en avait chez BM. Du coup, j'ai pris lui en premier. Mais c'est pas grave parce que celui-là, il est glowy et lui, bah, il est mat. Du coup, j'ai le droit de le tester. Et pour finir, j'ai eu un échantillon Sephora, genre du Nissior Parfum. C'est le nouveau. Il sent super bon. Après, on passe à H&M. À l'intérieur, il y a du Undies parce que j'ai pas pris de sac. Donc, chez Undies, j'ai pris un ensemble de pyjamas. Donc là, c'est la chemise. Et genre, il y a des petits cœurs. Regardez juste, c'est trop trop mimi, j'adore. J'ai trop hâte de l'essayer. J'étais trop dégoûtée parce qu'il n'y avait plus le pantalon. Du coup, j'ai pris un petit shirt comme ça. Et il est trop mignon. Et là, c'est marqué Love. Et il y a des petits cœurs aussi. Voilà, j'adore. Donc après, chez H&M, j'ai acheté plein de vêtements. Sauf que j'en avais essayé un pour aller en cours. Et il s'est taché. Du coup, j'étais trop dégoûtée. Donc, je l'ai mis à laver. Donc, vous pouvez pas le voir tout de suite. Du coup, vous le verrez dans une autre vidéo. Donc, le haut qui s'est taché, c'était un body. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc j'ai acheté des chaussettes comme ça, blanches, et regardez genre les motifs, j'adore. Donc c'est Elia qui m'a dit de les acheter, donc je voulais trop tester avec mes hugs, ça a l'air trop beau. Après j'ai pris un haut comme ça, noir, tout simple. Il est trop trop beau, voilà. J'adore. Après j'ai pris un autre pull qui est super beau, mais qui est encore simple. Voilà, comme ça, blanc, et c'est marqué Manhattan, New York. Voilà, j'ai trop trop hâte de le tester. Par contre, il est grand parce qu'il n'y avait que la taille L. Voilà. Donc après, avec Elia, on s'est tous les deux pris un collier avec un cœur. Donc moi, je l'ai pris en simple doré, elle l'a pris en rose. Et franchement, il est trop trop beau. Et pour terminer, j'ai pris une chemise toute simple, blanche comme ça. Je voulais grave mettre des pulls au-dessus car ça rend trop trop bien. Voilà. Franchement, elle est grave belle. J'ai trop hâte de l'essayer. Donc voilà, je termine. J'espère que vous avez aimé ce haul. Je fais des gros bisous. Bye!